bon vendredi. Et en ce moment, je prends des cours d'arabe. Des cours d'arabe tout simplement pour apprendre d'autres sourates. Vous savez très bien que pour que la prière soit valide, il faut déjà connaître l'Al-Fatiha. L'Al-Fatiha, je la connais, alhamdoulilah, depuis des années. D'ailleurs, je vais vous la réciter. Si je fais des erreurs de prononciation, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais que chaque mot est important. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah ibn al-Amin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim wad-dallin. Amin. Voilà, ça c'est l'Al-Fatiha, c'est pour que la prière soit valide. Là, je vais vous réciter une autre sourate et tous les vendredis, je vais vous réciter une sourate qui est très facile à apprendre, qui est très courte. Comme ça, vous pouvez vous inspirer des sourates que je connais, parce que si moi je les connais, bien évidemment que vous pourrez les connaître. Je vais vous réciter une sourate que je connais, qui est très petite, c'est d'ailleurs la plus petite sourate du Coran. Et chaque vendredi, je vous réciterai une sourate que je connais par cœur, que j'ai appris durant la semaine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Gulwad ala Usamad, Lam Yalid, Walam Yulad, Lahu Kufuwan Ahad. N'hésitez pas à me dire si je fais des erreurs de prononciation, c'est très important pour moi de me perfectionner dans l'arabe pour pouvoir mieux m'exprimer, que ce soit au quotidien avec des frères et sœurs ou tout simplement lire le Coran. Donc voilà, je suis preneur de toute critique. Salam alaikum à tous.